I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's why on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cartier in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if you won't take a lazy day. Bon l'équipe, premier exercice terminé, développé couché, 4 séries de 5 à 127,5 kg. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas mis aussi lourd pour autant de volume parce qu'il y a quand même 20 répétitions. Donc voilà, 4 x 5 à 127,5 kg qui passe extrêmement bien. Je pensais que j'allais être un petit peu fatigué avec le retour de Manchester, les petites et courtes nuits que j'ai eues. Mais sur le bench, là je me sens super bien. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez peut-être remarqué que je prends une prise un petit peu plus large que d'habitude. Pourquoi? Parce que le but là en ce moment, c'est de devenir plus fort. Si j'ai une prise un petit peu plus lourde, un petit peu plus large, il se peut que j'aurai de meilleurs leviers, donc que je sois un petit peu plus fort. Donc je teste petit à petit d'écarter ma prise. Alors, en tout cas, voilà, je me suis senti super bien. Les fesses n'ont pas décollé, le poids a extrêmement bien bougé. Je sens qu'il y a de la marge, donc ça, ça fait vraiment plaisir. On va se retrouver pour le deuxième exercice, les tractions. Je suis pas sûr de réussir la traction parce que j'ai une petite douleur au niveau soit de l'insertion du triceps, soit du grand dorsal. Douleur que je me suis faite quand j'avais fait le max rep de traction à Manchester. Donc je vais juste essayer de tirer un petit peu. Voilà, si j'arrive, je vous filme les séries. Et si j'arrive pas, on se retrouvera directement pour les dips parce que j'ai du lourd qui m'attend aux dips. 4 séries de 5 également, comme le bench, à 105 kg. Et là, va pas falloir parler chinois parce que ça va être super dur. Mais au moins, je me dis que si je fais pas les tractions, j'aurai plus de jus pour les dips. On verra, suspense. I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. Bon du coup, comme vous avez vu, on se retrouve directement au dips. J'ai essayé de me suspendre et de tirer comme si je voulais faire une traction, mais j'ai un petit peu mal. Je pense que c'est l'insertion du grand dorsal ou du triceps, la longue portion, je suis pas sûr exactement. Mais je préfère faire un petit jour off au niveau des tractions et rester sur de la poussée, donc bench et dips. Donc pour aujourd'hui, exceptionnellement, on va enlever les tractions parce que si je me fais encore plus mal, ça va mettre encore plus de temps à passer. Donc la dips, je termine l'échauffement tranquillement. Il me reste 75 kg. Ensuite, je fais une rep à 100 kg d'échauffement et on va passer aux fameuses 4 séries de 5 à 105 kg. Je me sens fort pour l'instant sur l'échauffement, je me sens bien, mais on va voir ce que ça donne avec 105 kg de lest entre les jambes. Parce que t'as beau te sentir bien à l'échauffement, quand tu commences à être des perfs élevés, quand tu mets lourd, ça reste lourd. Donc t'as beau être bien pour l'échauffement, dès que tu mets lourd, tu sens que t'es une petite genre que t'es faible. Mais on verra. La motive là, la déterre. I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's like... Bon l'équipe, dernière série d'échauffement, j'ai juste fait une rep à 100 kg. Elle a bougé un petit peu doucement, plus doucement que ce que j'imaginais. Du coup je vais devoir me faire violence pour les séries à 105 kg. Parce que 4 x 5 au dips, je vous assure, c'est super long, super dur. Et à 105 kg en plus, c'est mortel. Mais bon, on n'oublie pas ce qui est écrit sur le mur, juste là au-dessus. Base, performance. Donc si on n'est pas là pour faire de la performance, on est nul. Ah putain, ça va être dur. Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon.
I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if you won't take a lazy day. Wife, you want me, told me take a break. I keep going to the paper street. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I get it done. I said it before, I'm a one-on-one. I just count some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock it back. Oh putain, 4 x 5 à 105 kilos. Voilà Mif, le taf est fait. 4 x 5 à 105 kilos. Je crois que c'est ma meilleure perf depuis extrêmement longtemps, bah tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis aussi lourd pour autant de séries, donc je vais pas dire que c'est un PR, mais on est sur la bonne voie pour devenir fort au dips. Ah, laissez-moi juste enlever tout ça et j'arrive. Ah voilà, c'est ce qui marque à la fin du gros du travail. Là il me reste juste un ou deux exos de renforcement pour le dos avec du rowing basique. Je vais quand même le faire parce que je pense que le rowing ça va pas trop me faire mal ici. Ce qui me fait mal c'est juste tirage au-dessus de la tête. Après, un exercice pour les triceps. Et on aura fini cette séance. Pour bien commencer la vidéo. Si c'est pas encore fait, merci de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour la force. Du coup, voilà, je termine la séance et je vous retrouve après pour la suite. Bon, on se retrouve le lendemain de bon matin pour une nouvelle journée motivée et déter comme jamais. J'ai super bien dormi, ça fait du bien. Et aujourd'hui, en plus, j'ai une grosse séance qui m'attend et une grosse journée avec plein de petites choses que je vais vous montrer. Donc, je vais tout vous expliquer. Et comme c'est une grosse journée, je dois me prendre un petit déjeuner digne de ce nom. Donc, pour le petit déj, je vais me faire un bol de Frosties, les fameux. À l'intérieur, je vais mettre du lait, puis je vais mélanger avec de la whey pour avoir les protes. Donc là on a la whey impact native, goût chocolat avec du lait, des Frosties, ça va être les glucides pour l'énergie et les calories, ça va être pour ajouter un petit peu de calories et de goût, et la whey pour les protéines bien évidemment. Le café il est déjà pris parce que j'ai pas mal bossé ce matin déjà sur l'ordi, il y a énormément de choses en fait en cours en ce moment au niveau de Base Athletics, les futurs projets mais également le Base Gym. Là je suis en contact pour Base Athletics avec de nouveaux fournisseurs, pour de nouveaux accessoires, de nouvelles collections. Et je suis également sur Fiverr, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Fiverr, ce truc-là, pour chercher des makers de tech pack. En gros, un tech pack, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les prototypes des habits, enfin c'est le fichier que vous allez envoyer au fournisseur avec toutes les infos, les dimensions, la matière, comment la couture doit être faite, etc., etc. Jusqu'à maintenant, je les faisais moi, mais c'était des trucs un petit peu basiques. Et là, vu que Base Athletics, ça devient de plus en plus pro, faut que je fasse le travail en conséquence. Donc j'essaie de voir sur Fiverr, c'est là où il y a des prestataires. Et voilà, sinon, je dois également aller au Base Gym, du coup, pour la séance jambes, mais aussi parce que j'ai un gros colis qui m'attend. Bien évidemment, les livreurs, quand ils ont un gros colis à vous livrer, ils vous disent entre 8h et 15h. Pourquoi pas? Donc j'ai hâte de recevoir ça, je vais vous montrer tout ça. Et on est parti pour ce petit déj et cette journée. Bon, on est parti pour le petit déj, toujours le bol marsupilami, le fameux. C'est genre le truc, quand vous avez des habitudes, vous n'avez pas envie de les changer, c'est juste un truc de fou. Donc un bol de 3-6, je ne pèse pas mes aliments et je ne compte pas mes calories en ce moment. Je m'assure juste de manger à ma faim. Ensuite, on va mettre le lait dans le shaker. Gros game changer les gars. Il y a plein de personnes qui n'aimaient pas mettre du lait dans leur shaker pour pas ajouter trop de calories en sèche par exemple. Parce que c'est sûr que quand on met 25 voire 30 centilitres de lait dans un shaker, ça peut ajouter beaucoup de calories. Et ce que j'ai découvert il y a quelques années déjà, c'est que je pensais que mélanger de l'eau et du lait c'était absolument dégueulasse. Mais si vous mettez la moitié de lait et la moitié d'eau, et qu'ensuite vous mettez votre whey et que vous faites votre shaker, je vous assure que c'est 1000 fois meilleur que juste avec de l'eau. Et au final, vous avez mis que 10-15 centilitres de lait plutôt que 25-30 centilitres et le reste c'est de l'eau. Mais le goût avec la whey, c'est quasiment le même et c'est 1000 fois meilleur que juste avec de l'eau. Donc s'il y en a qui sont en sèche ou qui comptent leurs calories, essayez cette technique de faire moitié eau, moitié dans le shaker
Donc ici, je mets une scoop complète, ce qui donne à peu près 30-35 grammes de whey. Goût chocolat, vous avez toujours le code BASE sur tout le site. N'oubliez pas la MIF, quand vous commandez avec le code BASE, moi ça me permet de soutenir tous mes projets, parce que comme je suis affilié à MyProt, comme c'est mon sponsor, s'ils voient que vous utilisez mon code, que ça marche bien, que vous kiffez ce que je fais, bah je peux faire de plus en plus d'événements avec eux, de plus en plus de projets et organiser des choses, tout comme le voyage que j'ai eu à Manchester. Donc tout ça c'est grâce à vous. Alors merci les gars. Voilà, et ensuite, une fois que c'est shaké, on met la whey chocolat dans les Frosties. Et là, je peux vous assurer que c'est trop bon. En fait, c'est ça que je kiffe avec les Frosties, c'est que c'est le petit-déj, genre je kiffe. Y a pas, je me force à manger, j'ai pas trop faim. C'est qu'en ce moment, ça coule. J'ai toujours des périodes où je préfère un truc que d'autres. En ce moment, c'est la période lait, whey et Frosties. Et bon appétit, la MIF. D'ailleurs, j'aimerais juste faire une petite précision par rapport à ce petit-déjeuner, les Frosties, voire même les céréales en général. Je sais que dès que je montre ce petit-déj, il y a toujours des personnes qui vont venir commenter par rapport au fait que ça soit de la bouffe de merde, de la bouffe industrielle, ou qu'il y a du sucre, et que c'est pas normal que j'ai des perfs ou le physique que j'ai, etc., etc. Si vous pensez encore ça aujourd'hui, faut que vous compreniez, les gars, que ce qu'il faut voir dans une diète, et ça vaut pour tous les thèmes et domaines de la vie, pas seulement la muscu, faut voir la globalité de notre diète en l'occurrence et la globalité des choses sur le long terme. Si toute votre vie elle est parfaite, vous entraînez parfaitement, vous dormez bien, que vous avez les bons compléments alimentaires, pas de carence, et qu'à côté de ça vous avez une source de sucre, en l'occurrence les Frosties, il va y avoir aucun impact négatif sur votre performance, sur votre physique, sur votre santé, sur votre récupération. Aucune, zéro, faut voir la globalité de la chose. Donc oui, dans les Frosties il y a du sucre, mais si c'est l'unique sucre qui provient de mon alimentation, ça va absolument rien changer. Donc gardez en tête que ce qu'il faut voir toujours, c'est la globalité de la diète, la globalité de l'entraînement, la globalité du mode de vie, et pas juste quelques trucs à part entière. Après, sûr, si vous avez plein de petits trucs à droite à gauche, ça va s'accumuler. Tant que votre diète est composée à 90% d'aliments entiers, les 10% restants, c'est pas ceux-là qui vont vous ruiner votre physique, votre diète, votre récupération, voire même votre santé. Sur ce, bon appétit. Bon, on se retrouve au Base Gym pour une séance un petit peu spéciale. Pourquoi séance spéciale ? Simplement parce que c'est les jambes. Enfin, aujourd'hui, c'est les jambes en lourd. Et comme je le disais avant, ça va être la séance où ça va être les charges les plus lourdes depuis le début du programme et depuis très longtemps pour moi sur le squat et même sur le soulevé de terre. Et j'apprends un petit peu cette séance parce que mettre des charges lourdes sur ce genre d'exercice, ça fait un petit peu peur, surtout le matin, et je sens que je suis pas à 100% de ma forme, mais on va essayer de faire le taf. Je pense que le fait de m'échauffer et de commencer à me bouger, ça va me mettre dans le mood un petit peu mieux. Donc au programme, squat en premier, suivi de soulevé de terre. Au squat, je dois faire 4 séries de 4 répétitions à 160 kg. Et ensuite, soulevé de terre, je dois faire 5 séries de 3 répétitions à 210 kg. J'ai aucune idée que ça va passer. Le seul problème, et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que la dernière fois que j'avais mis lourd, c'était il y a une semaine et demie, j'étais avec un pote qui avait une bonne ceinture à clapet. Du coup, je lui ai emprunté sa ceinture et ça m'a fait grave du bien. Et là, je suis solo, j'ai toujours pas reçu la ceinture, faut que j'en commande une. Et du coup, j'ai pas de ceinture. Le squat, ça me dérange pas de faire 4 séries de 4 à 160 sans ceinture, mais le soulevé de terre à 210, je sais pas. On verra ce que ça donne. Donc en tout cas, souhaitez-moi de la force sur cette vidéo. Moi, je vous envoie toute ma force. Pour ceux qui sont derrière votre écran, on est ensemble à la MIF. On donne tout au quotidien, il y a que le charbon qui paye. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ce soit ceux qui sont en sèche, en prise de masse, en révision pour les examens, en nouveau projet familial, privé, perso. J'espère que tout se passe bien. Continuez de bosser dur, vous serez satisfait du résultat. Et je vais mettre de la musique. Je vous filme les séances. On se retrouve direct pour le squat. Je pense que je vous filme l'échauffement et let's go.
hard. Even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I never so packed for the stack, never lied on the... Ah, on est sur la bande de la vie, Jeff. J'arrive même plus à parler. Je viens de faire 3 séries de 4 à 160 kg, sans ceinture. Ça passe super bien. Pas de douleur au dos, pas de douleur aux hanches, pas de douleur aux genoux. Le poids bouge bien, c'est dur parce que c'est 160 kg. Mais 3 séries de 4 qui passent nickel, il en reste une. Je vais la faire pour vous les gars. La dernière série, je vais l'exploser. Vitesse, je la mange. Ah, je suis chaud. Ça fait tellement plaisir. 4x4 à 160 kg validé. Ça faisait littéralement des mois et des mois et des mois que j'avais pas remis 160 kg sur une barre. Et là je valide 4 séries de 4 à 160 kg assez bien, avec même pas de ceinture, rien. On redevient fort les gars. Ah, je suis trop content. Voilà, du coup, squat terminé, il me reste le soulevé de terre. Il n'y a pas 5 séries, il y a 4 séries en fait, j'ai regardé avant sur le programme. 4 séries de 3 répétitions à 210 kg. Ça va être très dur, sans ceinture ça va être très dur. On va voir ce que ça donne, mais l'essentiel, là, c'est le squat surtout, ça fait plaisir. C'est dans la tête les gars. Corinne. Oh, ça fait longtemps, très longtemps que c'était pas aussi dur. Série de 4 squats à 160 kg, suivi du deadlift, le fameux deadlift à 210 kg. C'est la première fois que je m'étais aussi lourd depuis quasiment un an, voire plus, je sais même plus quand c'est la dernière fois que j'ai mis 210 kg, 210 kg,
Et j'ai réussi à faire 4 séries de 3 répétitions. Donc c'était littéralement la plus grosse séance depuis le début de cette prépa force, depuis le début de ce nouveau programme force, avec des grosses barres et du gros volume quand même. Donc ça annonce du bon pour la suite. Oh, ça fait plaisir. Là je vais souffler, j'ai juste du squat bulgare en renforcement. Je vais faire ça tranquillement et je vous retrouverai après pour la suite de cette vidéo. Et probablement la fin. Je suis mort. Regardez comme je suis. Je sais pas si ça se voit. Regardez mon dos. Je suis trempé. C'est ouf. Putain, j'espère que ça vous a motivé, les gars. C'est ça que je veux. Vous filmez comme ça au bas gym. Je fais le taf. On se motive. Ça vous donne envie. Mercredi, dimanche, vous regardez sur YouTube mes petites vidéos. On se donne la force ensemble. Je suis cuit. Ah, je suis cuit. Bon, décidément, j'ai même pas eu le temps de ranger mes disques. Voilà, la barre de sous les terres, elle est encore là. J'ai commencé à la ranger. Et il y a le transporteur DHL qui est passé parce que j'attendais une livraison importante pour le Basim, pour l'update du Basim. Et il vient d'arriver. Et je peux pas vous expliquer à quel point je suis refait, à quel point j'ai hâte d'ouvrir tout ça. Je vais vous montrer ça. Donc là, on a la première palette. Et là, on a la deuxième palette. Donc il y a beaucoup de nouveau matériel. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer, à vous montrer, mais j'avais pas prévu de vous filmer ça dans ce vlog parce qu'il y a tellement de choses en ce moment que je sais même plus quoi faire. Et là, il y a encore ça que je dois vous montrer, que je dois vous filmer. Je dois aussi le déballer, les mettre en place dans le base gym. Oh, il y a tellement de choses, c'est ouf. Genre, je sais plus où j'en suis là, je sais plus ce que je dois faire. Du coup, je pense pas que ça sera pour ce vlog, mais comme dit, voilà. Les palettes, elles sont là. Il y aura une petite update du base gym qui arrivera bientôt dans les prochains vlogs. Là, c'était juste pour vous dire que j'ai reçu les deux grosses palettes et je voulais vous montrer ça. Maintenant, laissez-moi ranger ma barre de soulevé de terre tranquillement et rentrer manger parce que j'ai faim. C'est ouf. On avance petit à petit vers l'ouverture des premiers créneaux et le premier événement du Basim. Petit à petit. Courant juin. Mi-juin. Fin juin. Ou début juillet peut-être. On sait pas. C'est compliqué. C'est hyper compliqué. Bon, pour le déjeuner, je l'ai préparé la veille. Comme ça, c'est prêt. Je me prends pas la tête à cuisiner. On a un basique, on a ici 120 g de riz pesé cru avec 180 g je crois à peu près de bœuf, donc de viande hachée, avec des poivrons jaunes, rouges et verts comme vous pouvez le voir. Donc voilà, le repas habituel du Bazou en post-workout. Après la séance jambes, ça va super bien passer. Je vais même le manger froid parce que j'ai pas de micro-ondes et j'ai la flemme de le réchauffer à la poêle. Donc on est parti, riz, bœuf, poivron. Et on lui bat le ketchup. Pour les puristes. Voilà. Donc je vais manger ça tranquillement et je vous retrouverai juste après pour la suite et la fin de cette vidéo. Bon, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue. J'aimerais vous remercier déjà d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'es encore là, t'es vraiment un bon. Je sais que ce genre de vidéos elles sont un peu longues, mais comme je vous filme mes trainings, le retour dans la force, j'aime bien vous filmer mes trainings. Et comme le but c'est de vous montrer ma progression, de vous inspirer et de vous montrer comment on fait le taf, je me dis que je suis obligé de vous mettre toutes les séries. Mais quand c'est des séances force, les séries sont assez longues, les séances sont assez longues. Donc quand je vous mets du bench, des dips, du squat et du soulevé de terre avec toutes les séries, forcément la vidéo est un petit peu plus longue. C'est pour ça que j'essaie vraiment de faire des vlogs avec des trainings et d'interposer ça avec des vidéos plus explicatives sur les séances. D'ailleurs, dimanche prochain, dimanche soir, il y a une vidéo sur la séance bras parfaite qui arrive. Vous avez kiffé toutes les dernières vidéos push, pull, legs parfait. Là, ça sera la séance bras parfaite. Vous allez vraiment kiffer. Et voilà, encore une fois, merci à vous pour la force, pour votre soutien. Tout ce que je fais, tout ce que je vous partage, tout ce que je réalise, c'est grâce à vous, votre force. Tous ceux qui commandent avec le code BASE sur MyProtein, tous ceux qui commandent sur BASE Athletics ou tous ceux qui rejoignent ma plateforme BASE Performance. Tous les liens sont dans la description. Et à l'instant où vous regardez cette vidéo, j'aimerais également vous dire que il y a des nouveaux produits qui sont en ligne sur BASE Athletics, les casquettes et les bobs. Ça fait super longtemps que vous les attendiez, ça fait super longtemps que je voulais vous les sortir. Ils sont là, je vous les ai préparés bien évidemment. Donc on a 2 bobs et 2 casquettes, vous pouvez les acheter directement sur baseathletics.com, le lien est dans la description. Donc on a un bob noir et beige avec la ficelle un petit peu plus large, le bob basique normal. Donc voilà, pour les casquettes, on a la noire basique avec coupe ajustable sur le devant et également en couleur gris clair. Ça c'était le prototype, donc tout ça vous le retrouvez sur mon site. Merci pour votre force. Et il y a également encore toutes les anciennes collections. Les t-shirts, les ensembles, les shorts, shorts de sport, shorts coton, les joggings en coton. Voilà. Merci à tous pour vos retours, pour votre force. Plein de belles choses arrivent. Et j'ai hâte.
C'est que le début. C'est que le début de notre aventure. C'est que le début du bas gym, de basse performance, de basse athlétiques. Ah. Au charbon, à la mif. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne soirée. Peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve dimanche soir pour la séance bras parfaite. Bisous.